à notre formateur et à notre président du club, Nadir Chorfa. C'est lui qui a commencé le parapente ici à Annaba. Avant, on ne connaissait pas cette activité. Et dès qu'il a commencé, c'était une passion, c'était énorme. Je voulais à tout prix essayer. J'ai commencé la formation avec lui et grâce à lui, maintenant, je survole en solo. En fait, pour le parapente, on l'a découvert il y a 4 ans. Et c'était la découverte d'un sport magnifique. Donc on a tout de suite voulu partager cette passion. Et c'est pour ça qu'on a créé le club d'abord. Et après, on a travaillé pour que cette passion et ce sport soient plus accessibles à tout le monde. Donc on a travaillé côté formation, côté matériel, côté aménagement de site aussi, et promotion de cette discipline qui est encore nouvelle. Donc les gens ne la connaissent pas encore très bien. Donc il y a un travail là-dessus. Et apparemment, il y a des filles qui font du biplace, qui viennent essayer pour faire la formation et tout ça. Mais pour le moment, je ne sais pas si elles n'arrivent pas à franchir le cap, ou je ne sais pas, mais non, j'aimerais bien qu'il y ait encore plus de filles dans cette activité. Parmi les objectifs du club, c'est la promotion de l'écotourisme. Donc ici, on a une nature exceptionnelle. Donc le potentiel de tourisme et de sport de plein air est vraiment énorme. Donc on a travaillé là-dessus aussi. Et grâce aux réseaux sociaux, grâce à Facebook, on a pu partager ces endroits magnifiques qui n'étaient pas vraiment connus par le public ici à Annaba ou ailleurs. Notre petite virée dans la région de Annaba nous a révélé plusieurs facettes. En plus de ses potentialités naturelles, culturelles et historiques, l'accueil chaleureux de ses habitants prend le dessus dans cette région qui s'ouvre sur d'autres...